à toutes et à tous, c'est Flanou, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite astuce très simple sur comment avoir votre skin Minecraft en mode Noël. Donc on se retrouve sur le site de NameMC que je vous avais déjà présenté dans une précédente astuce sur comment changer de pseudo et également les 10 meilleurs sites à utiliser pour Minecraft. Et bien aujourd'hui c'est sur ce site qui va nous permettre d'avoir un skin personnalisé pour Noël. Alors tout simplement, il suffit en fait de taper son pseudo dans la barre de recherche, donc comme ceci. Et on arrive donc sur notre page, vous la connaissez sans doute, là où vous pouvez télécharger votre skin, voir les anciens skins, etc. Et ici, vous avez une nouvelle fonctionnalité, donc là, on va partir sur mon skin en ce moment qui est celui-ci. Vous avez une nouvelle fonctionnalité ici avec un petit chapeau de Noël. Alors, on clique dessus et c'est très simple, vous allez pouvoir maintenant télécharger votre skin avec le bonnet de Noël et l'appliquer. Il suffit de cliquer sur télécharger. On importe le fichier et il suffit ensuite d'aller le modifier sur Minecraft. En découvrant cet outil, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres modes, donc ça peut être aussi très drôle. Il y a ce mode-ci, qui est un peu, qui est en mode noir et blanc en fait. J'ai trouvé ça vraiment sympathique d'avoir son skin comme ça en noir et blanc. Ensuite, il y a ce mode-ci, qui est un peu un mode fantomatique. En tout cas, les yeux, j'ai l'impression qu'ils sont modifiés, alors que pas du tout, ça n'a pas du tout été modifié. Ça, pour Halloween, ça peut être assez drôle d'avoir un skin, son propre skin, mais en fait, de cette façon. Et ensuite, il y a ceci que j'ai pas testé, qu'on va tester du coup ensemble. Oh ! Oh, c'est énorme ! En fait, ok, du coup, ça décale la tête du personnage. Donc là, on tourne, en fait, et on a la tête. Oh là là, c'est trop bien fait. Bon, là, par contre, je cumule totalement les effets, donc du coup, c'est un peu bizarre. On va tester, du coup, d'avoir la tête dans le dos, mais sans cumuler les effets de fantomatique. Donc, en fait, pour ne pas avoir le bonnet, il suffit de cliquer sur télécharger ce skin. Et là, du coup, on va aller voir mon skin normal, mais du coup, avec la tête dans le dos. Ah, c'est trop bien. Ça peut être vraiment bien pour faire une blague aux abonnés. Mais par contre, du coup, ça retourne uniquement la tête, pas le torse. Ce serait bien qu'ils rajoutent des outils qu'on puisse retourner le tout, en fait. Bon, en tout cas, voilà pour ces outils fort sympathiques. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce. Oula. Ok, on va rester avec une tête comme ça. Mince, comment on fait? Au secours. Non, c'est pas possible. J'arrive plus à avoir une tête normale. Ah voilà. Oh mais du coup ça a mis le bonnet à l'envers. Oh, bah vous pouvez même vous retrouver avec le bonnet à l'envers en fait. On va recliquer dessus, on va se update. Oh là là, j'ai fait bugger le site, c'est n'importe quoi. Later. Voilà, c'est bon, j'ai mon chapeau de Noël. Donc si vous avez apprécié cette petite astuce très simple, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce. Et on se retrouve très vite sur la chaîne, en vidéo et en live. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye bye.